Alors dis-moi, quand aurai-je le plaisir de te voir regagner le domicile conjugal? Je t'en prie, chérie, tu sais bien que je n'y peux rien. C'est le travail qui veut ça. Ce qui veut dire, en termes plus limpides? Que je ne pourrai pas rentrer avant au moins 3 semaines. 3 semaines? Mais ça fait déjà 1 mois que tu es partie. Quand est-ce qu'on pourra vivre normalement? Mais chérie... Je sais, l'année prochaine, tu passes directeur commercial, ce qui mettra un point final à tes incessants déplacements. Exactement. Comment va la petite famille? Aussi bien que possible. Les enfants s'habituent peu à peu à être en flamme de terre. Moi, je tiens à ces deux coups. Debout, feignasse, c'est l'heure. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Dégage! Fous pas les pieds dans ma viole! Dans ta porcherie, tu veux dire. Cazet? C'est pas vrai, encore. Je croyais qu'on en avait fini avec ces histoires. Allez, on va foutre tout ça au sale avant que maman s'en rende compte. Et si tu remets les pieds dans ma chambre, je t'écrabouille, petit frère. Excuse. Dis donc, tu prends l'air ou quoi, toi? Depuis quand tu dors à poil? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout, laisse tomber. Maman! Cazé a encore salopé son pieu. Allez, habille-toi en vitesse. Ouais, génial, et il y a un cirque qui débarque en ville. Venez tous vous joindre à la fête, le spectacle commence à 7h. Soyez là ou le croque-mitaine vous aura. Vous faites ce que vous voulez ce soir, mais surtout, vous ne vous séparez pas. Cazé n'a pas aimé le cirque l'année dernière, tu te rappelles pas? Oui, il a une grosse peur, le bébé. Justement, c'était l'année dernière, hein, Cazé? Maintenant, c'est fini, toutes ces histoires. Jeff, voilà ton cas. Je suis parti. Prends le sandwich. Tu n'as pas un entraînement ce soir? Non, c'est le vendredi. Alors tu rentres tout de suite après les cours, hein? Randy, fais-moi le plaisir de décrocher ce truc affreux, tu veux? Mais c'est pour Halloween. Halloween est passé depuis 2 semaines, alors obéis-moi. Ouais, voilà, j'y vais. Je ne crois pas. Va détacher ce truc, maintenant. Dépêche-toi. Pourquoi je peux pas venir avec toi? Mon chéri, tu sais bien que c'est impossible, puis tu t'ennuierais à mourir. De toute façon, c'est toujours pareil. Quoi donc? Avec votre boulot, vous êtes jamais là, papa et toi. Cazé, ne me dis pas que tu as peur d'aller au cirque ce soir. Tu es sûr? On ira s'asseoir à côté de Marcy. Je croyais que tu sortais plus avec elle. Seulement, elle sera avec Mélissa. Il n'y a qu'à se mettre à part, on s'en fout. Ouais, super, il n'y aura plus qu'à attendre que Cazé pisse partout. Non, pas question. Moi, je veux tenter ma chance avec cette fille. Manquerait plus que tu te soulages sur elle. Hein, Cazé? J'ai prêt à parier ce que tu veux que tu vas craquer. J'ai pas peur d'aller au cirque, figure-toi, alors lâche-moi un peu. C'est pas le cirque qui te fait peur. Arrête! Ça non, tu flippes pas des lions, hein, morveux? Ni des éléphants. Mais la ferme! Ni des vieux singes et encore moins de la femme à barbe. Tu te crois malin, hein? Mais, au fait, dis-moi ce que tu penses des clowns. Et tu te souviens comment t'as couru devant eux l'année dernière? Et ce coup, c'est ce que tu vas nous préparer? Tu vas t'envoler, peut-être? J'étais encore un gosse. Oh, maman. Bah, arrête, fous-moi la paix. Et pourquoi tu veux y retourner? Tu vas encore flipper? On peut pas le laisser à la maison tout seul. Dommage, va falloir que bébé affronte les méchants clowns. J'ai pas les foies, alors toi, tu l'as fait. Tu t'assieras à côté de Jeff, je veux pas que tu pisses sur mes pompes, à moi. Il y a une embrouille chez les dingues. J'aime pas du tout cette maison de fous. Pourquoi les flics se pointent?
Peut-être qu'il y a une évasion. Croyez pas? Peut-être même que les gars sont allés au cirque. J'ai mal à la tête. Je suis fou. Je suis fou. J'aimerais bien aller visiter la ménagerie une fois. Rien à carrer. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? J'ai repéré deux ou trois jupons pour toi. De toute façon, tu veux que je te dise? Je me colle des boutons d'être obligé de me coltiner avec vous. Et nous, tu crois peut-être que ça nous amuse? Et je crois surtout que tu commences à me les casser. Ça? De quoi tu parles? De ce truc, je veux faire ça. Quoi, t'es sûr? Ouais. C'est des cracks, c'est des histoires de voyants. Tu veux pas te faire endormir ton pognon? Ben laisse-le s'il veut. Tu me files un bifton et je te le dis, ton avenir, moi. Pour ce soir, tu vas encore pisser dans ton palais. Mais tu vas la fermer. Quoi? À qui tu parles comme ça, morveux? Hein? Tu voudrais pas m'énerver, dis. Laisse tomber, Jeff. Vas-y, n'hésite pas. Mais y'a personne. Entre, tu verras bien. On perd notre temps. Tu vois, t'intéresses pas grand monde. Qu'est-ce que c'est? T'as joué, vieux. Bonjour, madame. C'est pour mon frère Kazé. Il voudrait connaître son avenir. Kazé. Donne-moi ta main. Tu as main très douce. La douceur est une chose bonne, mais aussi dangereuse. Tu me comprends, n'est-ce pas? Vois-tu cette ligne-là? C'est ta ligne de chance. Elle est très longue et incurvée. C'est très bon signe. Tu possèdes potentiel bonheur énorme et possibilité d'amener amour, réussite et bien-être à ta famille, à ceux qui t'entourent. Quant à ceci, enfant, c'est ta ligne de cœur. Elle est encore petite. Ah, y a pas que ça. Mais déjà profonde. Et enfin, le plus important, ta ligne de vie. Regarde, elle commence ici. Et elle remonte. Elle est coupée. Seigneur Dieu. Juste là. Il s'est enfoncé un clou une fois. Un accident. N'importe quoi, c'était l'autre main. Mais je te dis que c'était celle-là. Si c'est une cicatrice, il n'y a pas à s'inquiéter. Et si c'est pas le cas? Alors quelque chose tentera très bientôt de couper ligne de vie. Mais c'est n'importe quoi. Elle est complètement starbée. Allez, amène-toi, on s'en va. Kazé! Fais bien attention à toi, enfant. Lâche-le, vieille folle! Prends garde.
Les forces des ténèbres sont à tes trousses, enfant. Ta pureté, candeur d'âme, les attire inéluctablement. Les forces du mal ont choisi leur proie. Attendez-moi dehors. T'es complètement à la masse, toi. Lâche-moi. N'aie pas peur, petit frère, c'est du bluff, tout ça. T'as gagné, abruti. Je savais pas qu'elle dirait ça. Je vous avais prévenu, ces trucs-là, c'est du baratin, tu m'entends? Du baratin, pas autre chose. C'est pas vrai d'être aussi demeuré que ça. Pourquoi tu l'as forcé à entrer là-dedans? Je pouvais pas prévoir qu'elle dirait ça. Réfléchis un peu, nom d'un chien, tu connais ton frangin, non? À chaque fois, tu me prends la tête à moi parce que je me fous de lui. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de le coller là-dedans. T'as vraiment rien dans le citron. Ah, c'est nouveau, ça. Depuis quand tu t'inquiètes pour lui? J'en ai vraiment plein les bottes d'être obligé de supporter tes conneries. Tu piges ça? Et c'est pareil pour toi, vu? Bon, reprends tout ça à zéro. On va rentrer là-dedans. Je vais m'asseoir près de Mélissa. À partir de ce moment-là, je veux même pas vous entendre respirer. Enregistré? Toi aussi? Alors on y va. Nos
pas. Ton frère, il est dingue. Il a eu peur. Et tu vas pas chercher. Je croyais pourtant que tu faisais la babysitter ce soir. Ils s'en vont tous les deux. Tu devrais les rattraper. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Je sais. C'est un homme comme les autres. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais non. Tu sais de quoi j'avais peur, moi? Tu devineras jamais. On dit croque-mitaine. Et des fois, j'en rêve encore la nuit. Je sais bien que c'est faux, mais... mais ça reste. Moi, c'est ça qui me fait peur avec les clowns. Leurs visages sont faux, comme ça, ils sont marrants, tu vois. Mais tu peux jamais savoir. C'est rien qu'un cochon. Au fond, ils sont peut-être méchants. Va falloir que tu vives avec, tu sais. Tout le monde a peur de quelque chose. Et si jamais quelqu'un vient t'embêter avec ça, bah n'hésite pas à me le dire. Ça roule? On va voir la fin? Comme tu veux, tu choisis. On va laisser Randy baver sur la pauvre Mélissa. Alors, pendant ce temps-là, on va se faire des jeux, d'accord? On gagnera peut-être quelques lots. On pourra les offrir à maman demain. On va voir si t'es adroit au tir. Allez, vas-y, mon petit, dégomme-les tout d'un coup. Ouais, génial, continue comme ça. Allez, on va me croquer. T'es le meilleur, t'as pas raté une fois. Encore une fois, et tu te ramasses. C'est le dernier, mon vieux. T'as pas intérêt à le manquer, tu m'entends? Ouais. Eh ben, t'as gagné, champion. Dis-moi, t'as un secret ou quoi? Si c'est un secret, je vous le dis pas. La charmante petite fille. Tu veux quoi, ma chérie? Un lapin complètement bleu. Alors je te le fais parce que c'est toi. Regarde-moi bien. Qu'est-ce que vous étiez? Ça fait une plombe que je vous attends. Tu devineras jamais ce que Kazé a gagné tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, Story? Et pourquoi tu fais la gueule comme ça? Je me tirerai d'ici. Quelle est Mélissa? La ferme, t'as pas le droit à la parole, toi, compris, petit pisseux? Je te signale que tu m'as collé la honte devant tout le monde. Alors je vais dire à maman qu'elle te refoute à la maternelle l'année Arrête prochaine. Arrête un peu, quoi. T'as peut-être jamais eu peur, hein, toi? Si, je flippe de la tronche que tu vas te payer quand je te l'aurai fait. Je jure que c'était pas de ma faute. Allez, vous me prenez la tête, amenez-vous. Il semble que nos amis de la ménagerie vont essayer de nous faire passer une nuit difficile. La gosse de tout à l'heure a bien failli me briser les reins. Remarque, cet incident a eu l'avantage de te dessouder. Et tu lui as flanqué une de ses trouilles? En attendant, il s'est pas laissé faire. C'est bizarre que les enfants aient peur de nous à ce point-là, quand même. Et l'éléphant qui s'y met? Bah, il en a marre de travailler ça fait 20 pour des cacahuètes. Tu nous la sors, renouvelle-toi. C'est quand même étrange que les bêtes fassent autant de bruit.
Elle en manquait plus que ça. Pour vous dire la vérité, ça commence sérieusement à m'inquiéter. Que je fasse tout ici. Et sûrement des gosses veulent peut-être nous voir avec les pantalons baissés. Ou alors ils croient qu'on est des monstres déguisés pour les manger. Ça va de mieux en mieux, toi, on dirait. Hein? Laissez-nous nous rhabiller, s'il vous plaît. Le spectacle est fini. Qui est là? Georgie? Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de voir si je me coltine un beau point noir ou un complexe. Je vous proposerais bien un petit truc, les mecs. Bah, dis toujours. C'est juste pour savoir si vous avez vraiment ce qu'il faut là où il faut. Et comment ça? Je sais pas, moi. Comme on est tout seul dans la casbah et que maman rentre pas avant un bout de temps, il y a toujours moyen de se coller une dose de frisson. Tu vois ce que je veux dire, Kazé? Des histoires d'horreur. En plein dans le mille. Alors, ça vous branche ou pas? Minuit. L'heure du crime. Minuit. L'heure où tout ce qui est étrange sort de l'ombre pour terroriser la ville. Était-ce le fruit d'une hallucination?
Il avait bien trop peur pour pouvoir l'affirmer. Seulement, il ressentait encore ce petit picotement en bas du cou, ce pressentiment qui lui hurlait dans la tête que ses cauchemars étaient revenus pour le hanter. Mais que cherchait-il? Pourquoi était-il là? Pour lui faire peur ou pour le tuer? Il était seul sans l'aide de personne. Bien sûr, il était armé. Mais qu'est-ce que cela lui apporterait de plus? Si ce n'est un peu plus de sang. Il savait qu'il pourrait le retrouver quand il le voulait. Leur visage était couvert de peintures horribles. Il ne ressemblait à rien d'existant. Il saurait où il se cachait. C'était comme s'il se terrait déjà à l'intérieur de lui. Il n'avait vraiment aucune chance d'échapper à ses cauchemars vivants. Ils arrivent. Ils s'amènent, Jeffrey. Vous avez compris? Ils sont là. Ils viennent pour nous tuer. Les clowns! Les clowns! Ils arrivent! Ils arrivent! Non! Ils les arrivent! Clowns! Ils arrivent! Là! Les voilà! Qu'est-ce qui te prend, Bouboule? Y a ton flip des clowns qui revient? Je sens un truc bizarre. Comme un petit picotement dans le cou. Normal, regarde derrière toi. Et puis, il se passe au canapé. Tu peux pas lui foutre la paix deux secondes, non? Tu nous fatigues à toujours sortir les mêmes vannes. Hé, hey, le binoclard, tu veux que je te fasse la tronche de casino? T'as vraiment un pois chiche à la place du cerveau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu commences à me gonfler. T'es coincé, tu sais plus quoi répondre. Je vais t'en préparer, moi, une de réponse. Tu vas la sentir passer, je te le promets. Venez voir. Alors, Boubou, là, c'est vapeur. Et qu'est-ce que tu as vu? Une bande de monstres. Ou une attaque de clones. À savoir, ils en seraient bien capables. Casé? Ça va bien? Je propose qu'on aille se faire du pop-corn avant que les clowns ne jouent la sérénade. Ça roule. On y va, Casé? Hé, hey, Bouboule. Pop-corn? Je fais les pop-corns et vous vous débrouillerez avec la vaisselle. On
On va la faire avant que maman rentre, sinon on va se taper une engueulade de maison. Oh, c'est pas vrai. Amenez-le aux fesses en vitesse. Ah, je le crois pas, ça. Peut-être qu'il en reste un petit peu. Ouais, que dalle, ouais. Dis donc, Morveux, c'est bien toi qui as taxé le dernier cet après-midi. Maman m'a dit que je pouvais. Elle a oublié d'en racheter, c'est tout. Ça règle le problème de la vaisselle? Non. C'est encore ouvert chez Petri. Bah, le temps qu'on y arrive, ce sera fermé. Pas si on prend la vieille route. Personne ne la prend jamais en plein milieu de la nuit. Et pourtant, tu vas le faire. En compagnie de Cazé. Ah bah, tu peux courir. Dommage, Cazé. Va falloir que tu y ailles tout seul. Pas question. Il y a peut-être une meilleure idée. C'est toi qui vas y aller. Moi? Ouais. Si tu veux, vous n'aurez pas la trouille tous les deux tout seuls. Personne ne veut venir avec moi. Non. T'as la pétoche, hein, à vous. Allez, je te crois pas. Tu verras bien si je le fais pas. Ça m'a ramolli le cerveau de ma téléfilm d'épouvante, les gars. Et si on allait ensemble? Faut qu'on se fasse tous descendre par le grand méchant croque-mitaine et ses clowns, tiens. On parle pas comme ça, Andy. Bon, vous venez ou pas? Moi, je t'accompagne. Quoi? Mais t'es dingue! Bah, viens avec nous. Eh, il en fait dans son froc, tu vois pas? Ça commence à sentir mauvais. On revient tout de suite. Mais pourquoi tu rentres dans son jeu? À tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. J'imagine déjà la tête que va faire Jeffrey quand il me verra appliquer. Non! Et on fait la course? On n'a pas plus de 7 minutes pour aller jusque là-bas. J'ai peur de courir en pleine nuit, Randy. Quand est-ce que tu décideras à grandir un peu, bon sang? Pourquoi tu veux qu'il nous arrive une bricole dans le coin? J'ai peur de traverser le bois. Il n'y aura pas de problème, je te jure, crois-moi. Allez, maintenant, se dépêche. Andy, ne fais pas courir, s'il te plaît. Et on fait un pari. Je te paye une BD si t'arrives là-bas avant moi. Ça marche? Non! Andy! Je fais pas la course! Hé, hey, tu m'entends? Attends! S'il te plaît! Mais c'est pas drôle! Tu m'as l'air bien essoufflé. Andy! Andy, au secours! Qui est-ce? Oh, je vais me le faire, ce mot. Oh! Dégage de là, pauvre Locke. J'en ai ma claque de ton cirque. Il y avait des gars derrière moi qui voulaient m'attraper. Ouais, mon œil. Si c'est vrai, je les ai vus. En attendant, t'as tout saccagé dans ma boutique. Mais regardez-moi ce désastre. C'est pas vrai d'être aussi débile que ça. Oh, laisse, je vais m'en occuper. Et t'es prépare plutôt loin, la commande t'entends? De Madame Piston. On dirait que tu la cherches d'abord. Elle va bien la prendre demain matin. Je poserai les paquets dans le débarras. Parfait. Et n'oublie pas de fermer à clé. Bonsoir, les mômes. Et un conseil, petit gars. Sois pas si émotif.
viens te nettoyer, mon petit bonhomme. Il y a quelqu'un là-dedans ? Répondez s'il y a quelqu'un. À quoi vous jouez ? Cazet n'aime pas marcher la nuit. Il a rien entre les jambes. Les clowns. Mais attends-moi! Andy! S'il te plaît! Allez, mène-toi le croupion. Jeff doit être vert de peur à l'heure qu'il est. Mais j'ai mon lacet qui a foutu le camp! Excuse, mauvaise troupe. C'est pas de ma faute. Attends! Franchement, je trouve pas ça drôle.
Je sais que tu te caches pour essayer de me faire flipper, mais ça marche pas. Alors laisse tomber. De quoi est-ce que tu parles? Derrière moi. Ils étaient... Je comprends rien. Quoi? Qui? Le clown. Je te jure, c'était pas du baratin. J'arrive pas à croire qu'on soit aussi débile à ce point-là. Je veux rentrer, s'il te plaît. Tiens-moi la main. C'est pas vrai, ça. Allez, s'il te plaît. Tu veux bien? Plus jamais tout seul, Ronnie. S'il te plaît, plus jamais. Avant, je vais dire n'importe quoi. Tu promets? Personne n'a l'intention de te laisser. Très drôle, Jeff. Un humour comme ça, tu m'en remets deux douzaines, j'adore ça. Champion toute catégorie, celui-là. Andy! C'est un comique, le frangin, tu trouves pas? Attends, Jeff ferait jamais ça. Hé, la preuve. Andy, ce sont ses fringues, regarde. S'il avait voulu nous faire une blague, il n'aurait pas changé ses fringues, non? Tu veux me faire croire ce truc-là, c'est Jeffrey? Tu penses qu'il est mort, peut-être? Évidemment, ça serait les clowns qui l'auraient pendu là. Hé, je vois le genre, tu racontes ça à qui tu veux, mais pas à moi. Et puis si c'était lui, tu veux que je te dise, ça serait un bon débarras. Prêt à affronter la vérité, mec? C'est le moment de montrer que t'es un homme. Espèce de roulure! À quoi tu joues, nom d'un chien, petit morveux? Avoue que t'as flippé, hein, si t'avais vu ta tronche. Ah ouais? Ouais. Et ça fait quoi? Je vais t'écraser la gueule, crevure. Tu t'en souviendras, ça je te le promets. Je voulais que tu saches ce que ça fait. Que tu ressentes la peur. Parole, je te jure, tu vas payer le prix fort pour ça. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Il a presque failli pleurer. À mon avis, il est parti changer rapidement son slip. T'aurais peut-être pas dû lui faire ça. Ça lui servira de leçon. À mon avis, ça va le rendre un peu plus méchant. On recommencera jusqu'à ce qu'il comprenne. Tu sais, ils sont vraiment la soie. Et qui? Ben, les clowns. Tu crois? Amène-toi, on va se mettre chaud. J'ai peur. Ah, c'est pas vrai. On peut pas sortir la cassette. Ah, ça c'est vraiment un désastre. Arrête! Quoi? Qu'est-ce que monsieur Je sais tout va faire? Hein? Un petit avertissement. Quand je vais te coincer, ça va vraiment te faire très mal. T'as qu'à t'occuper déjà des fusils. Non, c'est toi qui vas y aller. Pourquoi, moi? Parce que maintenant que tu es un homme, tu vas être obligé d'agir comme un homme. Qu'est-ce qui se passe, Jeffrey? On a les jetons de se balader dans une maison sans son papa. Qu'est-ce que c'était? Ça vient d'en bas. C'est rien. Ouais? Quelqu'un ouvre la porte. Comment tu sais ça, toi? Si t'es même pas capable de reconnaître un bruit,
Ça doit être maman. C'est obligé. Le mieux, c'est d'aller voir. Bah alors passe devant. C'est toi le plus vieux. Kazé, tu veux faire preuve d'un grand courage. Je compte là-dessus. T'es en train de faire dans ton froid, Candy. J'aurais peut-être mieux appeler les flics. Ouais, 911. Migo est dans le salon. Bah vas-y. Et où tu te crois, j'ai pas l'air de recevoir d'un morveux comme toi, Jeffrey. Vas-y, toi. Comme tu veux. Mais d'abord, tu dois dire que je suis plus courageux que toi. J'attends. C'est pas trop compliqué pour toi, non? Si j'y vais, c'est pour t'appeler une ambulance, Josie. Mais t'as les foies, reconnais-le. Pas autant que toi. T'as pas le cran de descente, t'es vraiment une lopette et rien d'autre. Tu veux que je te montre comment une lopette s'occupe d'une raclure de ton espèce? Arrête un peu de vous engueuler, bon sang. Toi, la ferme ou je t'en colle une? C'est facile, taper, hein. Je me le fais. Tac de la gueule. Bon, y'en a marre. Au lieu de crier, vous feriez mieux d'appeler la police. Je suis sûr que c'est que dalle, mais vous savez que flipper. Les fusibles sautent, il faut appeler la flica. Et non, mais il faut vous faire soigner, les gars. S'il te plaît, appelle le commissariat. Qu'est-ce que tu vas leur raconter aux flics? Qu'on n'a plus de lumière à la maison? Dis-nous quoi faire alors, on a tous la trouille de bouger nos fesses. Parle pour toi, restez là, pissez dans vos frocs, c'est bien votre style. On va tirer au sort pour désigner un volontaire. Kazé? Il pourra jamais monter au grenier. Ah, me sors pas ce genre de débilité, on est trois et tout le monde doit s'y mettre. C'est bien compris? Voilà, celui qui tire la plus courte, va voir les fusibles. Elle fait pas d'histoire, tire-en une. Vous voir ce que ça donne. Eh ben voilà, on est fixé maintenant, pas vrai? Allez, t'as du boulot pour un petit moment, mon pauvre vieux. Je suis sûr que t'as truandé, moi je marche pas. Tu voulais que ce soit moi, hein? Papo, je me suis pas fait avoir. Maintenant, tu vas les changer toi-même, les fusibles. Alors? Je vais me le farcir. Ah, bien sûr, quand on n'a rien dans le crâne, il faut bien compenser. Je vais te rappeler deux, trois petits trucs. D'abord, tu me parles encore une fois comme ça et je te bourre la tronche. Et ensuite, je vais m'occuper de ces saloperies de fusibles. Mais tu perds au change, m'en veux. Tu veux aller dans ta chambre? Non, non. Et qu'est-ce que tu regardes? Amène-toi. On va lire une petite BD. Pas une histoire d'horreur. Si tu veux. Pendant ce temps-là, Randy nous foutra la paix. Revenez, mine de l'enfant.
n'entendait déjà plus. Il le voyait seulement gesticuler en tous sens. Je vous en supplie, revenez. C'est un piège, ne comprenez-vous pas? Vous vous précipitez dans la gueule du loup. Ils furent attaqués immédiatement après. Tawak! 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 Ce fut un véritable carnage en règle. Comment n'ont-ils pas senti le danger si près d'eux, se dit Akimbo. C'est à n'y rien comprendre. Ils auraient pu si facilement s'échapper. Le monstre a démarré et finissait son repas. Bam! 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 Les balles de revolver ne lui faisaient rien. Akimbo croyait vraiment que sa dernière heure était finie. Non! Non! Hurlit-il, va-t'en! Jeffrey! Kazé! Nous venons pour vous tuer! Vous ne nous échapperez pas, nous vous retrouverons! Kazé! Pauvre débile! Préparez-vous à mourir! Nous saurons vous retrouver où que vous soyez, comptez sur nous! Votre seule issue sera la mort! Une mort atroce, longue et douloureuse! Nous arrivons! Vous entendez? C'est nous! N'aie pas peur, il ne peut pas entrer. C'est pas drôle du tout. Surtout, tu ne bouges pas de là et tu n'ouvres la porte à personne. Ou alors, sois sûr que c'est moi. Ça marche? Pas question. Je viens avec toi. Il veut nous faire peur, bon sang, tu le sais, ça. Je te lâche pas d'une semelle. Entendu, mais tu restes derrière moi. Randy! Arrête ton numéro, réponds-moi, quoi! C'est pas drôle du tout! Je te croyais franchement plus intelligent! Ça t'est marré, hein? Allez, sors de là! Randy! Tu m'entends? Réponds! Tirons-nous !
pas mes yeux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'où est-ce qu'ils sortent? De mes cauchemars. Dépêche-toi! Ils ont dû boucler la porte. Et pour Andy alors? Il a dû se débrouiller. Si ça se trouve, il est encore dans la maison. On doit se tirer le plus vite possible. Jeffrey, et s'il était mort? On est coincé! Par la fenêtre! C'est tout noir! Tu vas faire ce que je te dis, tu fonces chez les voisins prévenir les flics! Et s'ils sont morts aussi? Alors tu iras chez les James, compris? Ils sont partis en vacances! Tu entres dans la première baraque habitée que tu vois! Merci, c'était vraiment moins une. C'est comme s'il savait exactement tout ce qu'on va faire. C'est des histoires, tout ça. Allez, viens, faut se tirer d'ici. Mais ils sont trois. Quoi? Donc il en reste encore un. Oh, mais où tu vas? On passe par la fenêtre. Allez, dépêche-toi. Elle est ouverte maintenant. Il veut sûrement qu'on passe par là. Arrête! Je suis sûr qu'il a préparé quelque chose. C'est un piège. C'est notre seule chance de nous en tirer. On peut y arriver si on court tout du long. Et ne me parle pas de ta peur du noir. Attends. C'est quoi? La poupée. Non, c'est Randy. Je suis sûre que c'est lui. C'est pas possible, regarde bien. Je te dis que c'est Randy. Non! Kazé! Attends! Fais plutôt ce que je te dis. Cours! Va chez les Appleby. Tu vas m'obéir. C'est notre seule chance. Fonce! Arrête! Va prévenir les flics plutôt! Approche pas! Arrête! Fais pas ça! Kazé! Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Arrête! Mais t'es dingue ou quoi? T'es en train de perdre les pédales, mon petit gars! Va chercher de l'aide! T'as compris? Fais ça pour moi! Super! Dépêche! Kazé! Non! Au secours! On est en danger, à l'aide! Reviens ici! Il faut qu'on le retrouve vite. On part pas sans lui. Mais on ne sait pas où il est. Thank you.
J'en sais rien, mais va chercher de l'aide à toute pompe. Faut d'abord le sortir d'ici. On pourrait le remettre dans le placard. Ils vont le tuer s'il n'est pas déjà mort. Mais tu comprends rien, ma parole. On peut le mettre ailleurs. Mais c'est pas vrai, ça. Dans un endroit où il sera en sécurité. Cassé. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai besoin d'un coup de main. J'ai entendu une sirène de police. Mène-toi! Un chien n'est jamais tout seul. Alors! J'ai l'impression qu'il est toujours vivant. Dépêche-toi! J'y vois rien. Il fait complètement noir là-dedans. Inspecteur Findlay? Pardon, vous demandez qui? L'inspecteur Findlay, s'il vous plaît. Je passe quelqu'un. Allô, bonsoir. Qui est à l'appareil? Vous êtes l'inspecteur Findlay? Non, mais je suis policier. Ici, c'est Casey Collins. J'habite au 12 bis, route des Peupliers. Yeah. Et qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Des clowns essayent de me tuer. Des clowns? Venez vite. Comment ça, des clowns? Comme au cirque? Dis-moi, Casey, tu sais l'heure qu'il est? 3 heures. Exactement. Et tu sais ce que je crois? Je crois que tu viens de te réveiller, mon vieux. Et peut-être même au milieu d'un cauchemar. Tu peux me dire où sont tes parents? Maman n'est pas encore rentrée de son travail et papa est à Cleveland. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas raccrocher le téléphone et tu verras que tout ira bien. Et si ça marche pas? Thank you.
petit frère. Finis les cauchemars. Aucun homme ne peut se cacher de ses peurs. Tant qu'elles font partie de lui, elles sauront toujours le retrouver là-haut.